Pour Pierre Corner en 3-0-4-684. Alors, j'espère qu'on va pas effectivement un peu plus haut que ça.
Alors qu'on va atteindre dans quelques secondes, il y a en train de vous de la neige de côté. Alors on va beaucoup donner également, qui va être à risque. C'est le secteur de la neige de côté, Sébastien. Pardon, on nous annonçait Sébastien, il faut vous faire bien sûr pour que vous puissiez avoir un voilà, le terrain, si papa, ça va encore, il reste
Il reste en l'état, là, pour l'instant. Elle est un peu haute, là, actuellement. Alors, Robert, qu'est-ce qu'il faut faire, là, Robert? Là, qui est peut-être en compagnie de soeur de David Bastos aujourd'hui. Un garçon très très fort. Alors, le bouquet. On va les applaudir comme il se doit. Benoît Collin, vainqueur, sur sa... regardant Benoît sur sa droite, Sébastien Carré et Thomas Boutin sur la gauche de Benoît. On peut applaudir professeur junior. On retrouvera bien sûr, alors que Benoît a terminé, Benoît Collin, à la deuxième place de scratch en 2:26:1946. Bravo à ces trois juniors, bravo messieurs. On va... Oui, j'espère peut-être une troisième année en 2002. Bah, je crois que l'année prochaine, ça va être vraiment très dur parce que je pense que Jean-Pierre Bruny, là, quelqu'un qui est vraiment très fort, il arrive d'être dans une catégorie. Là, je pense que c'est raté. Mais je suis déjà content d'avoir deux titres. Voilà, deux titres avec le sourire comme il se doit. On l'a vu l'an dernier également sur les terres de Gouézec. Si vous en souvenez, Madame Moelle, il était Jean-Pierre, j'étais présent également. Il était déjà avec Bertrand. On va le retrouver, mais c'est pas ce que vous voulez. Bertrand, troisième étape avec. Une quatrième place au scratch derrière David Vasquez, Benoît Collin, c'est pas de 10 ans. C'est la place, une quatrième place, c'est ta place, Bertrand. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. C'est vrai que devant, il y a encore du bon monde. Ouais. C'est fort. C'est fort. J'étais bien plus valeur tout à l'heure quand il s'agissait de se battre avec qui, là. Je crois que. Ah, une bataille. Ah bon, c'est, rien, c'est bizarre. Ah non, pas connu. Ok, il se bat, il est très poli. Troisième place, nous avons le groupe Ama qui va offrir ça avant d'accueillir Stéphane. C'est une félicitation, et puis l'année prochaine, on verra absolument si Marc est sûr, mais il n'est pas bien. En troisième marche, c'est vrai que tous les ans, c'est un peu la même chose. Je pense que l'an prochain, il aura quand même peut-être un plus. Stéphane va nous rejoindre également chez les seniors. Bah, comme le disait Jacques, grand coureur, pour vous dire un grand coup de chapeau. L'applaudir bien fort, Stéphane. Voilà, troisième étape, un sudiste qui va être récompensé également par un conseil général du ministère. Stéphane, félicitations également, je crois que les félicitations, on les a déjà transmises, mais bravo pour cette performance, le troisième manche était meilleur. Hein. La deuxième était meilleure surtout, la troisième, je vais faire un petit peu raté, j'ai fait mon meilleur temps en deuxième manche. Oui, c'est vrai, on procède de venir nous rejoindre. Oh, pardon, Stéphane. On va féliciter David Vasquez. Il va se montrer au devant, bien sûr, du public. On peut tenir 7e au monde aux États-Unis. C'est peut-être il y a quelques jours de cela. Vainqueur dans ce temps, puisque c'est en 2 minutes 22 secondes, meilleur temps et de loin concernant cette descente de Gouzec. Alors Jean-François, avant de remettre le bouquet à David, Jean-François Gouzec va se faire un plaisir de l'interviewer. Et avec, bien sûr, on est bien sûr, et bien sûr. Non, mais il y a Bertrand qui s'attend pire. Hein. Bertrand qui s'attend pire. Hein. Voilà, merci. On va un petit peu discuter avec David en anglais. C'est la 1999, c'est pas Cavalec. What do you think about the Brittany Daniel? Well, it's a race, it looks like a party. And it's not so much pressure, just for fun. And the tracks are very pleasant. And the people are very nice, like having a nice time. Alors, il dit que ça se passe très bien en Bretagne, que c'est des courses ben, festives où il y a du public, une ambiance et que c'est agréable de venir s'amuser un petit peu en Bretagne une fois de temps en temps avec son ami Noël. Thank you. Ah, tu l'as pas dit, c'est rajout ça. Thank you David for your journey in Bretagne. I think next year we go. Oui, mais vous pouvez venir prendre les micros, les enfants. Ils vont vous monter. Voilà. Just sorry. Just somewhere in English language. Je voulais dire seulement quelques mots en français. David Vasquez, comme directly from World Championship. He came in Brittany. C'est-à-dire que David vient directement du championnat du monde. Et David a beaucoup apprécié la descente de Gouézec. Et on peut
féliciter les organisateurs, on les applaudit très fort. En ce qui concerne la descente en Bretagne, je crois qu'on peut. Alors là, on peut frapper très fort dans le vent parce que la Bretagne, en ce qui concerne la descente, est très très fort. Ouais. C'est pas vrai, Aline ? Bien. Non, mais c'est très important parce qu'on a tendance à croire que la descente en Bretagne, bon, on vient. Non, mais c'est fort. Vous avez aujourd'hui, je me permets en toute modestie de vous le rappeler, que vous aviez ici à Gouezec, c'était pas un très 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 grand village, mais vous aviez ici à Gouezec deux personnes qui avaient participé au Championnat du Monde. Je ne veux que modestement rappeler Benoît Coïs. Est-ce qu'il est là, Benoît Coïs? Ouais! Davido Vasquez Lopez. Il a présenté. Bon, je vais vous le dire, c'est la prochaine fois, s'il vous plaît. La prochaine fois, moi, de bois. Moi, de vin. De vino tinto. David, entre la... Non, c'est très important pour la descente en Bretagne. Entre la première et la deuxième manche, avec un verre de verre rouge, David a gagné 3 secondes. Entre la deuxième et la deuxième et la troisième manche, tu as refusé de boire, tu as gagné seulement 1 seconde. Ce qui veut dire qu'en Bretagne, si on veut le bon de celle qui se voisin, et que la Bretagne vive, et que vive la Bretagne, et que, non, je redeviens sérieux, et qu'en Bretagne, la descente soit synonyme de convivialité, et que nous soyons tous là présents, avec le même sentiment d'être ensemble. Que nous bougions pas, ça n'a pas d'importance, mais que nous y ayons tous ce sentiment de vivre un moment important, mais sans vrai. Merci, bon. Voilà, je crois que c'est vous. Qui fait l'alliance donc avec nos pays et puis de vous accueillir chez nous, qui fait grand plaisir. Merci à vous. Alors c'est difficile, on va pas faire pas lire le breton de Madame Annie le maire et la coupe bien sûr qu'on va remettre également à David. On va remettre cette coupe, on va retirer tout simplement le petit papier, hein, tout simplement, si on peut le remettre. Alors c'est une coupe qui est offerte par les établissements Josec au TA Gouezec, qui nous aide beaucoup également dans notre organisation de la part de du prêt de son matériel en ce qui concerne le rebroussaillage de la piste. Un soutien permanent de l'OTA Chaussec, qu'on remercie très vivement. On va pouvoir accueillir très très fort une nouvelle fois David Vasquez, son assistant, et bien sûr Bertrand Hamon pour les trois premières places dans la catégorie de teneur. En attendant, bien sûr.